Salut les amis, c'est moi, je suis de retour pour la suite de ce Wokfu sur Season 3. Et donc, on va direct se lancer dans la partie, hein. Donc, la dernière fois, on était. Donc, je vais d'abord, première chose à faire, diminuer la vitesse. Donc, la dernière fois, on était arrivé à la première carte où on choisit son destin. Donc, soit on jouait. Une province calme, soit une province compliquée. Donc là, moi j'ai pris la province qui était peu calme, où on va avoir des batailles. Et donc, sur cette nouvelle carte, comme vous pouvez voir, on a au sud, ici, une belle zone pour des fermes, ainsi qu'au nord. Sachant que celle-ci, je la trouve pas mal, mais comme vous voyez, ben, il y a de l'eau et que ça va pas être génial, donc mieux vaut, je pense, commencer ici. Ah, donc on va commencer à créer sa ville, ben juste ici, là. Donc on va bien entendu faire un peu de ménage là. Je pense que ça devrait suffire ainsi. Et donc la dernière fois, je m'étais un peu planté. Oui, je vous avais parlé du carré de 9 par 9. Mais en fait, c'est les nombres de maisons. Pour la route, ben, il faut mettre du 10 par 10. Ouais. Je suis débile. Bref, donc là, bah on va se taper un 10 par 10, hein, donc, hein, allez, hop, 40. Hop, là, normalement. Voilà. Et théoriquement, là, c'est bon. J'espère que je ne suis pas planté. Une fontaine. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh non, je me suis planté encore une fois. Non! Ça et je pense que là on devrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, ah bah là j'étais encore tout faux. Punaise, je suis vraiment nul. C'est consternant. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, là, 3. Non, c'était ici. Bref. Alors, ensuite, ce que je vous conseille, c'est direct de faire des jardins dessus. Voilà. Ainsi. Donc là, vous avez 2, 2, 2 et 2. Ouais. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous installez vos maisons. Comme cela. Ah, tiens. Le petit jardin. On va remettre un petit jardin ici. Donc voilà. Là, vous avez votre carré de 9 par 9. Enfin! Punaise, je vais y... Un jour, il faudra vraiment que j'y arrive, hein. Donc, on va mettre ici notre petit Sénat, là. Notre... Ouais. Nous allons mettre le Sénat ici. Donc, comme d'hab, hein, ne pas oublier la préfecture. Et bien entendu, l'étude d'ingénieur. Ça fait, on va s'agrandir par ici pour avoir les fermes. Donc, les fermes. Donc, je vous conseille de faire que du blé au début. Parce que le raisin ne sert absolument à rien. Au début, hein, bien sûr. Donc, on va commencer avec 4 fermes, comme d'habitude. Voilà. Et bien entendu, le petit grenier qui vient. Qui va bien juste en face. Voilà, ici on fait vraiment du. On va concentrer un peu les choses. Donc on y va doucement, hein, on a le temps. Et là, c'est vaut mieux prendre son temps au début pour faire une bonne partie pour bien commencer. Parce que après, ça va vraiment aller vite. Et donc ici, on se refait encore une étude d'ingénieur. Donc après, hein, on s'étendra un peu, on fera d'autres fermes ici, mais pour l'instant, ici, voilà. Maintenant, on va mettre le marché. Ici, je pense que ça sera bien.
Voilà. Et maintenant, on peut commencer tranquillement. Donc, on va se mettre à une vitesse de 80%. Et là, normalement, les premiers colons J'ai devraient entendu arriver. dire qu'il y a des postes à pourvoir dans cette cité. Je veux devenir dompteur. Pas mal. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié pour commencer. Ah, faut vite que je vérifie l'eau. Ouais, c'est bon. Et mettre assez rapidement autre chose. Mais bon, pour l'instant, comme vous voyez, il faut vraiment penser à l'essentiel au début et ne pas aller trop vite. Parce que si vous essayez de mettre trop de choses trop rapidement, il y a de fortes chances que vous vous plantiez et là, c'est la misère. Donc, on va mettre. Ah oui, un dock direct. Faut vite que je mette un dock ici. Donc, pourquoi un dock? Parce que ça va être. Comme ça, je mets. Voilà. Parce que je vais avoir besoin de créer une route commerciale. Donc, mieux vaut l'ouvrir directement ici. Même si, bon, comme je vous dis, ça, c'est important pour plus tard. Donc là, je pense que ça commence à aller. On va avoir de la nourriture. Les gens s'installent. On va pouvoir commencer à mettre les temples. Parce que il faut construire vraiment au fur et à mesure que vous ayez besoin des choses. Donc, on va mettre le petit temple maintenant de Neptune ici. Le petit temple de Mercure là. De Mars. Très important celui-là ici, toute cette carte. On va le mettre ici. Et enfin de Vénus qu'on va mettre là. Ça devrait être bon. Voilà. Donc là, je pense que la cité a bien commencé. On a de l'eau. On a. Ouais, sinon, vous voyez là. En fait, là, ce que vous voyez en bleu, c'est la zone couverte par la fontaine ou le puits. Et là, vous voyez qu'avec une fontaine, se met pile au milieu d'un carré de 9 par 9. Oui. Bon, là, ils me disent qu'il y a la famine, mais bon. Faut attendre qu'ils aient fini ici, quoi. Normalement, là, ça tourne à plein régime, donc il faut juste attendre. Mais bon, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, me dis pas que. Ouais, non, ça va. Elle continue tout droit. Donc là, ils vont avoir à manger. Donc, comme vous voyez, il y a toujours du monde qui arrive ici. Donc ça va. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouf, écho de bataille. Donc en fait, là, maintenant qu'on voit les échos de bataille, on peut aller sur la carte d'Europe, la carte d'Italie. Et là, vous voyez qu'il y a eu un écho de bataille ici. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont descendre pour venir nous attaquer, nous. Ouais, c'est pas génial. Mais bon, le problème, c'est que là, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut que j'attende que y ait des habitants qui viennent. J'ai pas assez pour ouvrir. À la limite, je peux faire une caserne déjà. Qu'on va mettre. Ouais, on va la mettre ici. Allez hop, elle est où? La caserne. Voilà. Vos troupes auront besoin d'armes. Ouais, pour l'instant, les armes, on verra. Hein. Et là, on va mettre directement un fort de javeline qu'on va placer ouais, assez au nord là, parce que de toute façon, il n'y aura pas grand-chose. Je vais pas mettre grand-chose ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Manque de main-d'œuvre. Ouais, ça c'est habituel. Quoique non, 1%, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oh, bon. Alors, on va mettre un javelinier ici. Et. Non, on va pas mettre l'académie militaire tout de suite, on va mettre la cavalerie. Voilà. Avec ça, on est tranquille. Bon. Maintenant, on va ouvrir. Comme on commence à avoir du chômage, eh ben, on va commencer à ouvrir la poterie, parce que maintenant, c'est un truc que je vais avoir besoin. Et donc, pour la poterie, on va.
Ah non, on va d'abord mettre les écoles. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en premier? Ah, il faut d'abord des divertissements. Bon, on va mettre un théâtre. Ouais, on va d'abord commencer par le théâtre. Et mettre une école de théâtre, bien évidemment. Voilà. Donc on met le théâtre, l'école de théâtre. On va directement importer directement là ce que je vais avoir besoin. Donc on va mettre des entrepôts. Et bon, on va ouvrir les... Je sais, je veux faire 50 000 choses en même temps. Donc on va ouvrir les routes de commerce. Donc comme vous voyez, eux me vendent des meubles, de la poterie et m'achètent et achèteront des armes. Donc on va ouvrir. Et eux, en revanche, vont me vendre de l'argile, des armes, mais ils m'achèteront du vin et des meubles. Donc, maintenant, on va aller au conseiller commercial. Et donc, moi, je vais importer de l'argile et de la poterie. Voilà. C'est cher. Hein, la poterie, je crois que c'est combien à l'achat ? 180 à l'achat, donc ça fait vraiment très très cher, alors que l'argile, vous voyez, 40, quoi, c'est que dalle. Donc, mais bon, pour commencer sa cité, il faut toujours importer un peu, quoi. Donc voilà, donc ici, hop, ordre spécieux, tu vas accepter uniquement l'argile et la poterie. Habituellement, j'en fais toujours deux, mais là, pour commencer, c'est mieux d'avoir, de commencer petit. Donc on va mettre atelier de poterie et on va en mettre 3 pour commencer. Atelier poterie 3. Donc, en théorie j'ai encore du chômage donc c'est bien. Donc on va rajouter qu'est-ce qu'ils ont besoin pour évoluer. Ah, une école ou une bibliothèque. Bon, on va mettre une école. Alors. Bon, on a 500 habitants, ouais, ça monte bien. Ah, par contre, il faut d'abord que je mette d'urgence un hôpital. Parce que sinon, après, ils vont un petit peu râler. On va mettre le terme aussi. Un dispensaire. Et c'est bon, on a tout. On va rajouter l'école juste ici. La bibliothèque, je vais la mettre... Je vais mettre la bibliothèque ici. Et université. Bon, ça, on va virer. Et l'université juste là. Voilà. Maintenant, la cité manque de main-d'œuvre. Mais bon, ça devrait rapidement changer. Parce que là, vous voyez, maintenant j'ai de la poterie, j'ai de l'argile qui arrive. Bref, tout va bien aller. Là, mes troupes. Bah, je forme ma première troupe de javeliniers. Non, c'est bon. Pour l'instant, là, ma petite ville se développe bien. Est-ce que... Combien... Voyons voir un peu combien... Qu'est-ce qu'il manque? Ah, il manque pas mal en hygiène et en éducation. Ouf. Donc, on va attendre un peu que... Bah, ça va bien évoluer ici. Hein, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ouais. Pas accès à une école, parce que l'école, bah, il n'y a pas assez d'employés. Mais bon, là, regardez, ça commence à évoluer, donc ça devrait... Pas être trop mal, quoi. Là, normalement, la population devrait bien augmenter. Je vais vraiment trouver rapidement avec du chômage. Bref. Tout ce qu'il faut dans le meilleur des mondes. Donc, non, là, la partie s'annonce bien. On est... on va quand même attendre un peu d'avoir du chômage avant de continuer l'expansion. Parce que sinon, je vous garantis que là, on sera dans la merde. Et grave. Donc, le niveau d'estime est bon. La culture, c'est bon. Ah non, ça va, je me débrouille bien. Maintenant, combien il me manque? Ah, ça va, ça monte. Ah, vous voyez, là, bah, les niveaux des maisons augmentent assez rapidement, hein, ici. Hein. Donc, je suis normalement là, 700. Vous voyez, ça augmente vite. Hein, donc, on va vite envisager ici une deuxième ligne de ferme. Parce que sinon, on va vite se retrouver en... Ah. On va vite se retrouver en rade.
Et qui dit... Et donc on va mis de mettre un grenier. Ah, dégage. Voilà. Voilà, voilà. En plus, j'ai récupéré du chômage. Donc c'est très très bien. Et ici, je vais directement passer pour me fabriquer des légionnaires. Mais pour ça, il me faut de la matière première, qui est la mine de fer. Et donc, on va mettre directement... 3. Voilà. On va directement en mettre 3. J'espère que ça ira bien. Avec... ne jamais oublier la préfecture. Et l'étude d'ingénieur. J'espère que c'est assez proche pour pouvoir... avoir du personnel, sinon je suis un peu, encore une fois, dans la mouise. Donc maintenant, on va arrêter l'importation de poterie. Comme vous voyez, là, j'ai de l'argile. Ici, ils vont me fabriquer mes poteries. Donc, en théorie, je n'ai plus besoin d'en importer et donc économiser de l'argent. Ah oui, ici, il me faut aussi un nouveau... qu'est-ce qui approche ennemi. Donc voyons voir sur la carte. Ah vous voyez là, ils sont rapprochés maintenant. Bon, ils sont encore assez loin, donc théorie, là je suis très très bien parti. Donc pas d'employés ici, pas de main d'œuvre à proximité. Oh. Bon, on va un peu se développer ici pour les armes. J'ai du chômage, ce qui est très très bien. Et donc je vais créer un nouveau entrepôt. Pour le fer. Le fer et les armes, bien entendu. Accepter. Voilà. Et donc maintenant, je vais me créer ici une nouvelle route sur laquelle je vais mettre mes ateliers d'armes. Ouais, c'est un peu bête ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, normalement, là, ça devrait aller. Pas de main-d'œuvre à proximité, pas de main-d'œuvre à proximité. Bref. Pour l'instant, c'est pas la gloire. Mais bon. Et j'ai plus de chômage. Ah. Et là, ils se divertissent pas assez dans le secteur. Donc, on va faire un amphithéâtre. Et il me faut donc une école de gladiateurs. Ah oui, là on va faire venir Maximus. Meridius Deiritus. Je sais même plus si c'était bien comme ça. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. La cité manque de main d'œuvre. Oui, mais elle ne manquera pas bien. Regardez, vous avez vu là comme ça bien évolué là d'un coup. Ah. Bon, vous voyez, là ça augmente bien. Regardez la population, je suis déjà presque au 1000 quoi. J'atteins vraiment. Ça va vraiment très très vite. Donc là, bah, je suis en train de former. Maintenant, je vais pouvoir ajouter ma caserne. Non, pas de caserne. Un légionnaire. Voilà. Je vais pouvoir ajouter des légionnaires. Un fort de légionnaires. Qui sont les unités les plus badass qu'on puisse faire. Comme ça, bah, j'aurai une unité de chat. Bon, c'est pas utile. Je vous garantis la mission là. Vous avez juste besoin des javeliniers. Et à la limite, vous pouvez vous faire une de cavalerie. Faire les trois est complètement inutile. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, marché pour la nourriture. Bon, ben ça, ça veut dire rajouter un marché ici. Généralement, parfois, il vous arrivera de devoir mettre deux marchés sur un carré. Parce que bah, ça marche. Parce que des fois, avec un seul, ça marche pas. Donc là, bah, eux vont fabriquer mes armes, qui seront déposées ici. Hein, tout comme le fer sera déposé ici lorsqu'il sera en surplus. Et pour l'instant, bah, ma ville évolue très très bien. J'en suis très content. Là, j'ai mes deux greniers qui sont pleins. La nourriture arrive à foison. Je pourrais même déjà penser à me créer une deuxième ville opti
parce que finalement ici c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Il faut que d'abord que je regarde quelque chose, les dieux. Bon, pour l'instant les dieux semblent satisfaits, on va organiser un petit festival. Hein, parce que là sinon ils vont un peu gueuler. Voilà. Et donc le deuxième, je vais le mettre plutôt dans le coin. Là, j'aimerais bien garder cette forêt pour pouvoir... Et là, le problème, c'est que ça ferait trop loin d'ici pour pouvoir cultiver le raisin. À la limite, je peux toujours créer ma ville ici. Je vais regarder si c'est possible de créer une ville au petit juste là. Donc, on va virer tout ça. Ah, endettement. Oups. Bon, vous inquiétez pas, lors de votre premier endettement, le Sénat de Rome vous donnera de l'argent. La preuve, là, ils m'ont donné 9000. Par contre, faut pas abuser après, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je me mette vite à vendre. Et donc, je vais retourner dans ici et mettre qu'on va exporter. Mais que j'en veux toujours deux en stock. C'est-à-dire que je n'en vendrai pas tant qu'il n'y en aura pas au moins deux ici. Comme vous voyez, pour l'instant, bah, c'est utilisé pour faire ma légion. Donc bon, bah, je vais pas en vendre des masses, quoi, en fait. Bon, on va revenir ici, on va essayer de se faire un cadre 9x9. Si j'y arrive, parce que c'est pas gagné avec moi. Donc. Ah. Serais-je moins... On va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et... Ah bah non, c'est possible. Bon, et ben c'est ici que je vais faire ma deuxième cité au petit. Voilà, donc le festival, tranquillou. Ça au milieu, avec les petits jardins. Les maisons. Et bien entendu, le réservoir ici. Donc bien entendu, là, ils ne peuvent pas y accéder comme ça. Donc il faut que je mette un pont surélevé, juste ici. Voilà. Et maintenant, les gens peuvent venir ici. Ah ! Oui, ils m'ont viré les maisons. Voilà. En théorie, normalement... Ah non, ils sont pas isolés. Qu'est-ce qu'il leur faut? Une route? Voilà. Ah. Ah oui. J'ai oublié un truc. Bref. Le truc le plus important, j'oublie de mettre. Bref et études d'ingénieur. Voilà, ainsi que la dernière fois, le truc que je ne vous avais pas montré, c'est le forum qui permet de récolter les taxes. Ça, c'est aussi super important. Donc ici, je vais mettre encore deux marchés. Un là et un ici. Et ça devrait aller. Et là, vous voyez, bah, j'ai une tonne de population qui se ramène encore une fois. Et là, bah, comme je vous l'ai dit, hein, ici, j'ai plus rien à faire parce que ce qu'ils veulent maintenant, c'est des meubles. Et le problème, c'est que... Question personnelle, je peux pas trop faire de meubles. Est-ce que j'ai du chômage? Pas encore, mais avec le nombre de personnes qui se ramènent ici, ça va vite être le cas. Donc on va vite mettre nos temples. Petit temple de Cérès, un de Neptune, Mercure, de Mars. Ah oui, Mars. Bon, allez, mais... Il y a trop de monde. Voilà. Et le dernier de Vénus, qu'on va mettre... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ennemis aux portes. Ah, là, ils sont tout proches. Voyons voir. Effectivement, comme vous voyez, ils sont juste à nos portes, donc ça va être un peu... Ça va être chaud. Non, je vous rassure, ça va être pourri. Ils sont pourris. Donc, on va mettre un terme.
hein, comme de bien entendu toujours le terme l'hôpital pour éviter des maladies. On va mettre ici parce qu'il prend énormément de place. Le dispensaire, on va mettre un petit dispensaire ici. Voilà. Et le barbier, j'ai pas mis de barbier. On va le mettre ici, le barbier. On va mettre une école, j'ai pas mis l'école. La bibliothèque. Et bien sûr, l'université. Et là, j'aurai à peu près tout. Ah non, il me manque encore le théâtre. Un théâtre que je vais caser ici. Et l'amphithéâtre. Ouch. J'ai pas de place pour le mettre. Oh, oh, oh. Bon. Comment on fait? Bon, allez, on le met là. Comme ça, on s'en fout. Bref, normalement là je suis à la dèche. Deux personnes, hein, si on regarde. Bon, pas tellement, c'est juste l'hygiène et l'éducation. Bon, ça va. Donc en théorie, eux ça va aller. Regardez, ça va vite évoluer. Et là ma population va exploser. Hein. Donc, ici ce que je vais faire c'est préparer du vin et l'exporter. Donc pour ça, bah, je vais faire des fermes, bien entendu. De raisins. Voilà. Et comme d'hab, toujours ma petite préf. Et l'étude d'ingénieur. Je vais mettre aussi un entrepôt pour stocker le raisin. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. Là, maintenant, bah, vous voyez, là, ici... Bah, j'ai des armes, donc je vais pouvoir commencer à les vendre. Heureusement, parce que ça commençait à faire un peu cher. Je commençais là un peu à me... Là, la nourriture est bonne. Ah, il faut que je mette un grenier ici. Comme ça, eux, ils auront moins de chemin à faire pour aller chercher de la nourriture. Voilà, normalement, ça devrait être tout bon. Je pourrais même me faire un colisée. Une fois que j'aurai un peu plus de main-d'œuvre, parce que là, je suis un peu limite. Voilà, eux, qu'est-ce qui leur manque? Ah, ils n'ont pas de nourriture encore. Bon, bah, il faut attendre, hein, parce que là, la nourriture, elle n'arrive pas tout de suite. Il faut qu'ils aillent la chercher, il faut qu'ils aillent la chercher assez loin, il faut qu'ils viennent jusqu'ici, ce qui n'est pas la porte à côté. C'est pour ça que ça sera mieux une fois que j'aurai un peu plus de monde ici, ils viendront ici. Et là, normalement, avec les deux cités optimisées, je devrais atteindre les 2500 tranquilles. Donc maintenant on va regarder les messages, donc main d'œuvre, oui, on est toujours passé de main d'œuvre, ennemi aux portes. Bon, ok. Et donc à la limite je pourrais peut-être même essayer de commencer ici à récolter du bois. On va voir essayer, là, matière première, chantier de bois. Le problème c'est que je me fais un peu loin de cette ville. Voilà. On va essayer. Voilà, on va clairement virer ça parce que c'est de trop. Ah. Donc là, on construit ici. Là, en théorie, ça devrait bien se passer, ça devrait bien aller. Voilà. On coupe ici, comme ça. Ah bah si, c'est bon. Et donc, je vais mettre un entrepôt, encore une fois, où lui ne va faire que le bois et les meubles. Voilà. Donc ici, je vais rajouter, si possible, j'ai pas beaucoup de place. Ça va être un peu... Ça va être un peu chaud, là. Regardez, vous voyez comme ça a bien évolué. Par contre, j'ai l'impression qu'ici, ils vont pas recevoir de nourriture parce que, ben, la grosse dame, là, elle se déplace pas là où je veux, quoi. Donc, est-ce que je pourrais pas plutôt mettre un marché ici? Non, à cause des pierres. Ah, ben non, à la place, je vais le mettre là. Je vais virer celui-là et je vais le mettre là. Comme ça, au moins, elle passera ici. Voilà.
ça sera peut-être un peu mieux. Bon, maintenant là, le bois arrive. Enfin, pas totalement parce qu'il manque des employés. Est-ce que j'ai du chômage? Pas encore. Pouf, punaise. Pourtant, c'est pas... Ouais, c'est vrai que là, c'est vite limité, quoi, la population. J'ai du raisin, c'est bien, ça arrive. Donc, il faudrait que je réussisse à me fabriquer... C'est vrai que ça fait loin. Ça fait loin, loin, loin de cette ville opti. C'est un peu dérangeant, mais bon. Donc voyons voir un peu là l'état. Donc heureux, ravi, donc ça va. Ici, bonne, parfaite, on est bon. Écriture, moyen en école, parfait, parfait en université, en bibliothèque. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait rajouter encore une ou deux écoles. Ici. Ah, j'ai qu'un barbier. Ah, j'en ai pas fait un ici. Ouais. Voilà, je me disais bien, il me manquait quelque chose. Ici. Il me manquait quelque chose. Donc là, maintenant, on va continuer à fabriquer des armes. C'est très très bien. Là, pas de main-d'œuvre à proximité. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Donc là, on a le raisin qui stocke le bois. Donc maintenant, il faudrait que je me fabrique... Il faudrait que mon taux de chômage monte un peu, quoi. Là, il faut attendre un peu que ça se développe, parce que ça... Ils ont pas de nourriture. Allez, hop, il va aller chercher de la nourriture, parce que ils mettent trop longtemps à en avoir, et ici, ben, ils sont blindés, quoi. Quand on regarde ici, ils sont blindés de chez blindés. Donc c'est... Ça me sert à rien, il faudrait peut-être que... Je ramène ici pour nourrir ma population là. Et... Bon, bah, ils sont toujours pas là, les ennemis, là, alors que j'ai eu le temps de me faire... Ah bah. Là, on aura souvent ça, en fait, c'est des demandes de César. Et donc, ben là, comme je les ai déjà en stock, je peux direct les envoyer, quoi. Voilà. Je lui ai envoyé du raisin, maintenant je suis tranquille. Et donc, bon, bah, je vais mettre ici directement hein, le truc du raisin. Hein, les ateliers. Et donc, vous voyez, là, atelier de vin. Donc, je vais en mettre 2 et... 3, ouais, ce sera suffisant. Enfin, quoique, vu la production que j'ai, on va en faire un quatrième. Même si j'ai pas assez de main d'œuvre. Mais bon, là, c'était le bois qui devait être prioritaire. Et pour l'instant, il l'est toujours pas. Ah oui! Ouf. Ah ouais, je suis bon en poterie, là. Il faudrait vite que je me fasse un entrepôt uniquement d'argile, parce que sinon je suis... Je vais pas pouvoir le stocker. Donc on va refuser tout le reste. Voilà. Et on va faire, bah, ici, les fabriques de meubles juste là. Parce que là, maintenant, vous voyez, bah, on a le flot de population qui revient. Donc c'est que j'ai suffisamment maintenant. Bon, ben voilà. En théorie, non. Ah ben, l'ennemi est là. Donc l'ennemi, normalement, il est... Ah ben, il est là. Allez, on va s'occuper. On va prendre ma légion. Ok, à l'attaque. Bon, là, les légionnaires sont des fous furieux, quoi. Regardez, c'est des monstres, hein. Oups. Voilà, fin du combat. Ah, je vous l'ai dit, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment nul, quoi. Y'a rien. Y'a rien. C'est totalement naze. Donc là, ça se développe bien. Population 1600. Maintenant, j'ai plus qu'à monter à la population. Sachant que là, ça arrive en flot quasi continu. Donc, voilà ce qu'on va faire. C'est... Ah bah lui, on va lui faire refuser l'argile. Voilà. Et donc, bah maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des ateliers de meubles.
Voilà. Là, l'empereur est content, je lui ai envoyé. Voilà. Et là, on fait les meubles. Sachant que le bois, là, il arrive, mais... ça devient assez monstrueux. Donc, on va vite refaire un entrepôt. On va faire plutôt là. Et lui, il ne va accepter que les meubles. Voilà. Et là, cela devrait se développer une fois supplémentaire, et eux avec, et donc je devrais en toute logique arriver à 2500 de population. Si, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais regarder pour le commerce, parce que maintenant, bah, le vin, je pense que je pourrais l'exporter. Donc, au-dessus de 4 pour lui. Bah, on n'a pas besoin d'importer autre chose. Et pour les meubles aussi, je pense que... non, pour l'instant, non, j'ai besoin de mes meubles. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Là, je vous dis, là, la ville est parfaitement autonome, je pense. Là, je pense qu'on est totalement autonome. La ville est totalement autonome. Je pourrais presque laisser la partie comme ça se dérouler sans problème. Ouais, donc... ah oui, lui, il va aller chercher l'argile. Parce que là, j'ai de l'argile, mais on... Elle occupe mon stock ici, mais pas terrible, quoi. Enfin, quoique, il n'y en a que 4. Et bon, là, maintenant, on est bien. Une fois que les meubles vont arriver, j'aurai une nouvelle augmentation ici. Et là, un gros flot de population devrait arriver aussi. Oui, parce que il n'y a pas de nourriture. C'est vrai que la nourriture, c'est un gros problème ici, sur cette carte. Hein, sur cette partie-là, c'est un peu dommage. Bon, la fabrication des armes, là, pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. En main-d'œuvre, bah, j'en manque toujours pas énormément. Je manque que 7 habitants. Hein. Donc, une fois que j'aurai une nouvelle augmentation ici, un petit upgrade, bah, ça devrait normalement aller. En attendant, bah, faut attendre. Mais là, ça a bien diminué. Là, la population elle a chuté d'un coup. C'est... oh. Je crois que je vais plutôt changer de place là. C'est qui ? Vénus. Donc on va changer de Vénus. On va d'abord lui en mettre un. On va la mettre ici. Et là, je vais mettre un marché. Parce que là, il faut vraiment des marchés pour tout, quoi. Sinon, comme à chaque fois, il se déplace en deux directions, ça fera une là, une là. Une là, une là. Et elle se fait un là. Et normalement, ça devrait être bon. Je devrais plus avoir de problème de nourriture ici. Le problème, c'est que la nourriture ici, ben, elle a du mal à venir. Alors que pourtant, ici, la production est quand même pas mal. Quand même satisfaisante. Ah, ça y est, ils ont reçu leurs meubles. Et là, vous voyez, maintenant, c'est des grandes maisons. Voilà, et donc je vais avoir un nouveau flot d'immigrants. Voilà, bon, ordre spéciaux maintenant, juste accepté. Et voilà. Pfff. Oh la vache, le bois. Ah. Bref, là j'ai pas grand chose à dire, hein, parce que là, comme vous voyez, bah, la ville est plutôt bien ordonnée. Hein. Je vous ai montré maintenant comment réellement faire une cité optimisée. Hein. Là j'en ai même deux. Ici, bah, c'est toujours le problème de la nourriture. Hein. Là, vous voyez, d'un coup, ça a vite augmenté, là. Bah, ils ont la poterie, la bouffe, bah, forcément, ça pousse d'un coup. Là, ben... bah... bon, pourtant, il y a du monde, ici, qui travaille. Et là, c'est... ouais, toujours besoin de nourriture, hein. Pourtant, j'ai un grenier, quoi. Bah, je crois que je vais devoir en faire un deuxième, parce que... sinon, ça va pas aller. Donc, on va mettre un deuxième grenier, ici. Aussi, ordres spéciaux... va chercher la nourriture. Ah, ben voilà, j'ai du chômage, donc je vais pouvoir
augmenter la production de d'armes, parce que c'est ce qui me rapporte de l'argent. Donc, vaut mieux que ça soit bien ordonné. Voilà, vaut mieux que ici je puisse produire au maximum des armes. Là, en bois maintenant, bah, il faut que je fabrique des meubles. Donc là... comment je vais faire? Est-ce que là, il y a faible accès à la main d'œuvre? Ici, est-ce qu'il y a un faible accès à la main d'œuvre? Ouais, aussi. Ah oui, ici, ils peuvent plus travailler, il n'y a plus de place. Bon. Bah... on va devoir faire un autre... oh la vache, j'ai plus de place. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, quoique, non, je peux m'étaler par là. Voilà, on va s'étaler par là. Et on va faire... voilà. Donc ici, je vais mettre un nouvel entrepôt. Pour le vin. Oups. Voilà. Ça devrait être bon. Chômage 3%, c'est correct. Donc là, on va produire au taquet des armes. Pour pouvoir les vendre et ainsi avoir une meilleure vie. Population 1900, ouais. Il faudrait ici que je mette aussi, je vais rajouter des ateliers de meubles. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Avec une, bien sûr, une préfecture et une étude d'ingénieur. Bon. Voilà. Donc, en théorie, là, tout va bien. Je n'ai plus de chômage, comme d'hab. Ah si, 6 non utilisés. Alors, on va regarder un peu les stats. Hein. Donc là, j'ai mes légionnaires. Moral, bah ça va. Et donc, regardez, les légionnaires, eux, ils ont un très très bon moral. L'empereur, pour l'instant, on me demande rien. Donc ici, il me faut 30 en culture. J'en ai 44. Prospérité, 9. Prospérité en hausse. Bon, bah, ça, il faut attendre. P, 13, il m'en faut au minimum 10. Faveur, 40, j'en ai 50. Donc, ben, pour l'instant, il me manque juste un point de prospérité à avoir et la population, j'ai gagné. Et ça devrait aller, je pense pas. Je pense que là, si je mets à 100%, ça devrait. Hein. Approche ennemie. Donc là, je pense que ça devrait aller. On a du chômage. On va atteindre les 2000 habitants. Et oui. Maintenant, il faut attendre que ici, ça évolue. Ce qui va pas être évident, parce que là, ça a l'air de bien évoluer, mais pas ici. Et c'est ici que j'aimerais bien que ça évolue. Alors. L'empereur. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, j'en ai 32, je peux lui envoyer. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Oh, ils peuvent pas se divertir. Oh! Ils peuvent pas se divertir ici. Non! Ouais. Donc là, c'est bon. Là. Ah, il n'y a pas assez d'acteurs. Ah, voilà pourquoi. Bon, j'ai du chômage, donc ça devrait aller. Donc on va aller faire ici. On va augmenter ici. Et donc on va mettre... voilà. Bon, ok, s'ils veulent. Donc on va rajouter une école de théâtre, hein, évidemment. Et... c'était quoi? Une école de gladiateurs. Voilà. On peut une route, ça devrait... oh non! Oh le troll! Ah là, ils m'ont trollé, là. Bon. Alors, école de théâtre, ici. Donc on va mettre l'école de théâtre ici, parce qu'il me faut quand même de quoi accéder. Voilà, donc normalement ici ça devrait aller mieux. Une fois qu'il y aura mes nouveaux qui vont arriver. Et bah, je vais même me faire un colisée, tiens.
On va se faire un parc à Lyon. On se fait un parc à Lyon. Voilà. Et je vais lancer la construction d'un colisée. Juste ici. Ça sert à pas à rien. Mais on s'en fout. De toute façon, j'ai du chômage. Je peux me le permettre. Ils sont pas contents. Je m'en fous. Et donc là, en théorie, ça devrait... Ouais, non, c'est pas les termes que je veux, c'était ça. Ouais, manque d'acteurs. J'espère que les acteurs vont bientôt se ramener, parce que... Pas d'employés, oh non. Il va vraiment ma peau, moi, avec ses... Alors, école de théâtre. Ah bah voilà, le Colisée a ouvert. Voilà, on va mettre ça là. Pas de main d'œuvre. Je vais en mettre partout, moi, des écoles de théâtre, là. Ça commence à me... saouler bien grave, on va dire. Bon, ça va. Là, normalement, je suis assez haut partout, donc ça devrait aller. La nourriture, c'est bon. Bref, tout est bon, normalement. Allez! Ça, c'est chiant. Donc. 8 employés, pas d'employés à proximité. Je déteste faire ça, mais bon, j'ai pas le choix. Je vais faire un bidonville. C'est quelque chose que je déteste faire. Parce que ça fait pas esthétique. Et donc, théoriquement, là, ça devrait aller mieux. Ouais, ça va, ça remonte. Donc, avant de finir la mission, on va regarder un peu... les statistiques, donc la culture a diminué. Oh. Donc, jusque là, tout va bien. Il faut que je refasse. Il n'y a pas assez de théâtre. Hein? Quoi? Et j'ai fait un colisée, les gars. Hein. Bon, vous voulez plus de théâtre? Bon, j'ai rajouté un théâtre. Hein, je m'en fous. Voilà, allez hop, un petit théâtre. Comme ça, on prend pas de chou. Et théoriquement, là, la population devrait, en théorie, arriver à 2500. Donc ici, j'ai fait un truc de merde. Donc on va quand même leur mettre de l'eau, hein. On va leur mettre un puits. Mais bon, tout ça parce que j'ai besoin de personnel, quoi. Quand vous manquez de personnel à un endroit, ben voilà la méthode, quoi. Bon, je vais pouvoir commencer à vendre aussi mes meubles, parce que là, je commence à en avoir trop. Ah ouais. Exportation, et je veux toujours en avoir au moins, allez, 7 en réserve. De toute façon, je peux me permettre de regarder, j'en ai 24. Oh. Donc voilà, on va vendre nos meubles. Oh, de toute façon, regardez l'argent. Oh là, on est pété de thunes. Bon. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Écho de bataille, un colis ouvre ses portes. Bon. Oups! Ah! Non! Oh, je déteste ça. On va vite redescendre au minimum, parce que là, je sais pas où est l'ennemi. Alors, où est-il? Je vois pas du tout où il est. Il m'a pas l'air d'être là. En théorie, il est... Ah, il est là. Ok. Voilà. Voilà. Bon. Ah.
Allez, on se bat, les gars. Voilà. Bon. On va monter au 2500, là, ou je reste bloqué à 2200, là. Qu'est-ce qu'ils veulent? De l'huile. Je peux pas faire de l'huile. Dites pas que je vais devoir faire une troisième cité optimisée, quoi. Oh, la misère. Oh, bon, bah, hop, on est parti pour la troisième cité optimisée. Oh. Allez, hop. Hop là, hop. Oups. 3, 4, 5... Voilà, normalement une fontaine en plein milieu. Les jardins. Ah. Là, cette fois-ci, j'étais trop. Là, j'ai fait trop. Bon. Voilà. Les maisons. Et on va mettre directement relié par la route ici. Et bien évidemment, ce qu'il me faut ici, c'est un réservoir. Et là, je vais vous pouvoir montrer quelque chose de... Non, c'est pas possible. Ah, si. Ah, le courroux de Cérès. Non, 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 non. Oh là là. Bon, allez, on va se faire vite un réservoir ici, en coin. Et je vais vous montrer ben, pourquoi les Romains étaient si connus quand même. Hein. C'est par leurs aqueducs. Et là, ben, vous pouvez aussi en faire un. Voilà. Allez, hop, c'est pas beau, mais on s'en fout. Et on va vite faire des pleins de temples pour qu'ils arrêtent de me prendre la tête. Mars et Vénus avec bien entendu un sénat, non pas un sénat, un forum pour récolter de l'argent. Ah, j'oublie en chaque fois. La préf, l'étude d'ingénieur. Bon, théoriquement, là ça devrait être suffisant. Ah, bon, je vais quand même mettre les marchés au cas où. Voilà, avec le terme, l'hôpital, bref. Là, vous avez compris, normalement, c'est le dispensaire et le barbier. Je sais pas pourquoi j'oublie tout, j'ai toujours envie d'oublier le barbier. Donc là, on est sympa. Ensuite, on va se rajouter l'école. La bibliothèque et l'université avec bien entendu le théâtre, l'amphithéâtre, et ça devrait être bon. La cité manque de manœuvre, tu m'étonnes. Vu que je viens de créer carrément une toute nouvelle et on va mettre un grenier. Hop, le grenier. Voilà, cité manque de manœuvre, mais ça devrait aller. En théorie, là, de toute façon, il me manque plus que quelques habitants et ça sera bon. J'aurais répondu au... Alors, culture, c'est bon. Prospérité, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bah, c'est bon. Dès que j'ai la population, c'est fini. Attention, plus que 4. Et voilà. Victoire. En une heure de jeu, presque. Ouh.
les Étrusques ne menaceront plus Tarentum. Bien joué. Rares sont les gouverneurs capables de gérer à la fois l'évolution de leur cité et le combat. Voyons si vous seriez capable de réitérer cet exploit, ou si ce n'est que de la chance. De la chance. Juste en montrer, moi, de la chance. Donc là, maintenant, on a le choix entre ici, la province paisible, ou là, la province assez dangereuse. Cette fois-ci, elle est assez dangereuse. Et en fait, on va y aller crescendo, quoi. Et je pense que la pire, c'est celle qu'il y a après, qui se trouve normalement dans les Alpes, et celle-là, c'est la plus horrible. Elle est horrible, celle-là. Bref. Donc là, je vais lancer la quatrième mission avec la province assez dangereuse. Syracuse est un site important pour ériger une nouvelle colonie. Regardez la carte et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Si nous voulons réussir à étendre l'Empire bien au-delà des côtes de l'Italie, nous devons prendre le contrôle de ses eaux. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir tiré cette conclusion. Nous n'avons jamais réussi à établir une cité permanente à Syracuse. Le défi qui vous attend, et c'est un sérieux défi, est de fonder une nouvelle cité et de la défendre contre les ennemis de Rome. Attendez-vous à des coups bas de la part des Grecs. Pour rendre les choses plus... intéressantes. Les terres fertiles sont particulièrement rares à Syracuse. Bien que le climat soit idéal pour les olives, il vous faudra certainement consacrer la plupart de votre agriculture aux céréales afin de nourrir votre peuple. Peut-être pourrez-vous apporter un peu de nourriture afin d'éviter les pénuries. J'en sais rien. J'ai pas eu le temps de me pencher sur tous les petits détails de cette mission. C'est d'ailleurs pour cela que je fais appel à des gouverneurs. J'espère que vous parviendrez quand même à faire pousser quelques olives. L'Empire est très demandeur d'huile de qualité. Compte tenu de la difficulté de cette mission, j'ai décidé de vous fixer des objectifs assez modestes. Je crois en votre capacité à surmonter tous ces obstacles et à réussir aussi bien que vous l'avez fait la dernière fois. Il est gentil, lui. Bon, allez, on va d'abord vite diminuer la vitesse. Avant de vous quitter, on va quand même jeter un petit coup d'œil. On va quand même d'abord faire une petite sauvegarde avant. Comme ça, je reprendrai. Et là, oui, j'ai changé la touche. Donc, on va visiter un petit coup d'œil. Et oui, le coin fertile, c'est ça. Ouais, c'est atrocement petit. Donc, après, oui, on a des grands espaces. Hein, y a pas de souci. Hein, les espaces sont immenses. Mais... il n'y a que là pour faire pousser des choses. Ici. On va s'éclater. Donc, voyons voir ce qu'on a accès. Blé, légumes, olives. Donc, il faudra faire blé, légumes, obligatoire. Matière première, argile. Ah, donc là, on pourra faire directement nos poteries et du fer. Donc, on pourra se faire nos légions. Ce qui ne sera pas toujours le cas. Hein. ici, on n'a rien d'autre pour regarder. En atelier, qu'est-ce qu'on a? Huile, armes, meubles, poterie. Mais c'est bizarre, j'ai pas en matière première, j'ai pas de bois. Bon bah il faudra que j'importe du bois. Donc je pourrais raser toute cette forêt, c'est ça qui est bien. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que là, toute cette forêt que vous voyez là, vous la rasez, vous faites votre cité optimisée ici. Hein, une cité optimisée qui sera... qui devra se contenter... comment dire ça? Oui, qui sera concentrée uniquement sur la production de bouffe. Et comme ça après, on pourra faire plusieurs cités optimisées ici. Et il faudra fabriquer les légions, je les mettrai sur la colline. De toute façon, l'ennemi, je crois que l'ennemi, il arrive par là. Si je ne me trompe pas, l'ennemi arrive dans cette zone. Bon, ben voilà. Donc on commence avec 12 000, ce qui est pas mal. Pour le commerce, alors voyons voir. On a notre ancienne cité, ici, Tarentum, qui nous vend de la viande et du bois, et qui achète des légumes et de l'huile. Bon, ben on leur vendra de l'huile, parce que l'huile, ça rapporte... hein, faudra regarder. Et il y a toujours aussi Capua qui nous vend des meubles et nous achète des armes. Donc ça, c'est génial. Et le reste, ben, on peut pas. Quoi. C'est, en fait, on est vite limité en ville commerciale. Parce que nous, on est ici. Et donc, si on regarde, l'huile se vend assez cher, 180, 140. Et les armes aussi, 180. Donc, il y a moyen de se faire de l'argent. Et donc, bah, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Hein, et que, bah, pouce vert si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'aimez pas. Laissez des commentaires, donnez-moi des conseils si vous en avez.
Hein, si vous avez vu que j'avais un peu merdé dans cette vidéo, bah, dites-moi où, comment m'améliorer. Hein, même si je pense que j'ai quand même fait un bon travail. Mais bon, après, comme c'est moi, hein, je suis pas objectif. Hein, je pense que on est rarement objectif quand on fait son travail, hein, quand on doit juger son propre travail. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de ce Let's Play sur Kaiser 3. Allez, d'ici là, à la prochaine, et portez-vous bien.